Jacob Zuma croise les doigts. C'est ce lundi, en effet, que la Cour constitutionnelle sud-africaine réexaminera sa condamnation à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. L'ancien président sud-africain incarcéré depuis mercredi demande l'annulation de cette peine. Sa ligne de défense, son âge, ses 79 ans et l'épidémie de coronavirus. Ses partisans manifestent au KwaZulu-Natal et à Johannesburg sur fond d'incendie et de scènes de pillage. Depuis vendredi, au moins 62 personnes ont été interpellées. 37 au KwaZulu-Natal et 25 dans la capitale économique sud-africaine. Nous aimons Tsholozi. Pour nous, il est le président. Nous l'aimons. Cyril Ramaphosa, dehors. Tsholozi, en avant. Dimanche, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dénoncé des violences qui risquent de plomber une économie qui bat déjà de l'aile.